songez que Gary Conniet était dehors, rentré en pile bouche longue, en pile parler en pile. Bon côté coulève cette traite là, même écrit docteur Gary Conniet pour faire connait que nous pas prendre dans mon encore de vous déplacer à l'international pour que et sans qu'on pas fait nous connait, n'a prend des dispositions contour ou je même comment les radio guerrier Dieu celle là. Radio Guerrier, parce que pas oublier métronome c'est porte-parole et comment les collègues cette tête là faut Guerrier assume responsabilité son job à faire qu'on fait job là qu'on fini ou doit travailler mais qu'on fait job où et li marche avec conséquence li je dis à qu'est-ce qu'on est capable d'attaquer Gary Conniet c'est même radio Gary comment les guerriers de celle là guerriers de celle next sud-est on les métronome et gros cause guerrier tout qu'on a parlé de oui papa tout qu'on a parlé de oui yo comme si ou ces jeunes qui montent aux médias là qui pire avec dans moment hein faites attention hein faites attention ou pas le sale même avec nèg yo bon naturellement nous petit cop bail yo pas fin trop clair voilà en attendant docteur Gary Conniet qui était dans micro radio alors Gary People Charles dans radio et télescope FM en attendant avec un peu l'intérêt et puis n'a tourné pour reste programmation hein. Bonjour monsieur le premier ministre. Gary Conniet va vivre santé, moi même c'est tout ça qui va passer. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, comment vous êtes, Mathéa? Donc, nous là, tout rapidement, nous bien contents d'accepter de répondre à une question de Mathéa. D'abord, dis-nous, qui bilan et déplacement là aux États-Unis? Gary, merci beaucoup. Ce n'est pas seulement les États-Unis, sont des manches qui commencent déjà avec Paraguay, côté que des réunions. Rappelons qu'il y a une responsabilité importante que nous avons dans le gouvernement, c'est pour nous remobiliser, regalvaniser partenaires internationaux autour de financement et différents efforts que nous pouvons entreprendre en Haïti, incluant évidemment renforcer la capacité de la police, incluant aussi et surtout investir rapidement dans l'infrastructure que nous avons besoin pour être capable d'avancer vers tout grand chantier qui clairement et l'accord 3 avril. Là. Donc, ça n'a pas été fait là, son démarche, côté que rappelons, que nous avons un gros problème, nous avons c'est que comme il y a une crise internationale, un gros problème de change, donc disposition communauté internationale pour le niveau d'accompagnement que nous avons dans le temps pas là. Donc, aide publique au développement, je dis, il y aura moins de 800 millions. Taux d'exécution pour gérer à moins que 40%. Nous avons besoin d'un financement assez significatif pour qu'on continue à accompagner nous avec mission internationale qui peut nous supporter la police. Là. Donc nous avons des gros besoins. Nous avons des gros besoins et nous avons ça nous mérite en termes de finances dans la caisse de l'État. Il est archi important pour le gouvernement, pour avoir un partenaire, pour l'assurer, pour un projet, pour raconter l'histoire. Grand consensus qui bat nos conseils présidentiels avec le ministre, avec le gouvernement, pour nous dire que n'a pas avancé dans la bonne direction vers les élections, vers la lutte contre la corruption, vers l'institutionnalisation. Donc, c'était assez important pour nous, pour nous faire comprendre ça et pour nous capables de réengager. Parce que depuis des années, Gadou, niveau d'engagement pas suffisant. C'est ainsi que financement, par exemple, et appel humanitaire, là, à moins de 30%, on dit que nous avons demande humanitaire. Et la chaîne d'unité de présenter, nous avons moins que 30% au bail. Donc, c'est une urgence pour nous rencontrer partenaires, parce que, pour nous dire, quatre magasins, hein, population pas qu'à attendre encore, et c'est très important, parce que la population fait preuve de patience. Deux, il faut que l'on réengage de manière significative en Haïti, pour qu'ils savent que ces engagements, ça va permettre de nous avancer vers une transition qui réussit. Trois, gagner une vision, gagner un projet, gagner mon laden qui parie, qui crédite pour mettre en œuvre le projet. Donc, c'est mettre ce groupe, ça, mon ça, confiance qu'il n'y a qu'à exécuter. Et puis, quatrièmement, évidemment, que nous avons échéancier qui coûte, nous avons time frame qui coûte, et il faut l'on réengager. Et en ce sens, c'est un cadeau que nous avons un grand succès. Nous rencontrer Banque mondiale, nous rencontrer BID, nous rencontrer Fonds monétaire. Conversation, c'était surtout autour de ça. Nous trouvons qu'il faut faire mieux en termes d'engagement, parce que ça nous a des portefeuilles qui sont prévus pour nous. Pour l'année fiscale, ça, et l'année prochaine, il faut qu'on nous vienne à côté pour arriver, pour nous faire tout ça, nous pour nous faire. La zone métropolitaine, nous, au fur et à mesure que là, pour reprendre le territoire en et évidemment, le reste pays à tout côté, nous besoin des investissements massifs, à la fois, en termes d'infrastructures pour l'État qui a joué Wally, mais à la fois tout en termes d'opportunités pour investisseurs, pour partenariats, etc. Donc, conversation, c'était fort et renforcé. Deuxièmement, tout, nous tenons à dire que dans le cas de portefeuille, il y a déjà, dans le cas d'engagement, il y a déjà, il est planifié il y a un an et demi, deux ans.
il faut absolument que nous nous reportions ça. Il faut nous réfléchissions pour nous contextualiser. Parce que là, il y a un nouveau conseil présidentiel avec un nouveau premier ministre, avec un nouveau gouvernement, un accord qui définit des grands chantiers. Et ça, c'est parce qu'il y a une expérience de développement depuis des années. Généralement, partenaire, il fait plan, il y a un an et demi, deux ans, et puis il mérite le plan qui est fait. Donc, moi-même, aller pour me dire que non, qu'on y a fait nous, plan, nous, beaucoup plus flexibles en financement, nous, parce que nous avons les grands chantiers qui identifient, qui est la base d'un accord politique, il est aussi important que nous remettons nous en harmonie avec l'accord, ça. Troisième bagage, moi, je dis que moi, remarquer le même cas de travail qu'a fait là, pas une cohérence, pas une coordination et pas une complémentarité. Donc, m'aller vous me dire qu'il faut que nous retournions sous table là pour que le gouvernement, l'État, le gouvernement, Chita, Félix, mette de là, les bons tableaux de bord qui permettent de comprendre ça, tout mon affaire. Et c'est lui qui a baillé le ton, c'est lui qui a baillé la guidance, c'est lui qui a baillé. Donc, plein affaire de ces projets à droite et à gauche, il faut que ça ne peut pas mener nous à terme, donc, faut nous Chita pour nous avancer. Et quatrième bagage, nous disons, c'est que faut que nous innover, faut que nous apprenions les leçons du passé. Et que, je veux dire, là, ça y est, les business du jour, pas possible. Faut nous voir comment nous pouvons appuyer, accompagner les peuples haïtiens. Cinquième bagage, nous disons que c'est très important. Le nom de cas de crise haïtienne, le nom de cas de crise nous gagne ici, multi-crise que nous gagne Haïti, nous rendons compte que partenaires internationaux, yo quand son monde qui malade, son dosage, ou besoin de 50 mg pendant 10 jours, yo bon 25 mg pendant 4 jours. C'est pas suffisant. C'est à peine suffisant pour faire sentir mieux, mais c'est pas suffisant pour lever net, pour prendre force. Donc là, il faut avoir un nouveau engagement des partenaires internationaux complet jusqu'à la fin qui peut permettre que Haïti relève sous le pied. Nous allons aller tout pour nous garantir que nous-mêmes avons fait partie pas nous. Parti Panouan, c'est la transparence. Parti Panouan, c'est la lutte contre la corruption. Parti Panouan, c'est le leadership et la vision. Parti Panouan, c'est le nouveau bagage. Donc, il y a des paroles, nous. Parti Panouan, c'est la baille et cohésion haïtienne, ça, qui est indispensable. Donc, à ce titre, dans le palais de coopération, c'est très important, parce que moi, j'ai des mondes qui confondent ça. La coopération internationale est du ressort du gouvernement. Donc, ça m'a discuté avec partenaires, mais c'est essentiellement ça. Aide humanitaire, aide au développement, assistance à la police, ces conversations, ça en a fait. Et c'était vraiment, vraiment positif. Pas seulement parce que dans toute institution, ils ont dit non, OK, nous pouvons venir chez avec nous rapidement pour comprendre côté nous pour aller, pour regarder et les grands chantiers, pour comprendre ce que nous faisons, que nous faisons. Pour nous voir comment il y a pour réadapter, réajuster l'assistance en fonction. Nous jeunes, par exemple, Bib qui déjà dit nous, nous-mêmes, nous avons un financement là qui n'est pas à dépenser à Nissa, que nous n'avons pas recyclé. Nous, on était là à votre disposition là, je dis à. Il faut rapidement dire nous ça, on veut faire avec. Nous avons une formalité en tout cas acceptée avec nous que non seulement nous allons regarder avec nous comment nous avons des projets avec nous, pas dépenser, comment nous allons aider, nous allons dépenser beaucoup plus vite, surtout ce sont des points de protection sociale importante. Et surtout, tout le monde est d'accord que nous allons aider nous pour nous regalvaniser, relancer la communauté internationale là, autour du dossier haïtien. Ce qui n'est pas facile parce que payer au coup de il y a une autre urgence. Donc, il y a d'excellents points. En fait, Darius, mis à part bilan, il y a une question gang tout que le Premier ministre a abordé côté gain ou polémique en Haïti sur question ça. Alors Premier ministre hier, il y a une entrevue au Baya RFI, dans entrevue ça ou pas écarté possibilité pour tachita parler avec gang yo et moyennant que yo t'a choisi déposer ça mais puis respecter et Sanda Karele autorité l'État. Et il y a des monde qui ont même gon problème sur question déposer ça nan. Il y a demandé tête qui sont vle dire l'ordre déposer ça nan. Écoute, nous t'es très clair, son question me répond déjà. Premier geste là, c'est faut déposer des armes. On va gagner des armes pour attendre quoi que ce soit. Et puis, me barrer pour négocier moyennant. Il n'y a pas une terme moyennant. Interview à public ou mettre à l'attendre. Ce qu'on est en train de dire est très clair. D'abord, première démarche là, c'est déposer les armes. Deuxième barre là, c'est reconnaître l'autorité de l'État. Ça veut dire l'autorité de l'État, c'est avant tout la justice. C'est avant tout le territoire que nous avons, que nous avons accès à nous. Où est l'État contrôle le territoire ça. C'est très très clair. Hein? Et puis il y a toute l'autre discussion qu'on a fait. C'est après. Je vous comprends. C'est très clair sur ça. Hein? C'est d'abord déposer toutes armes, déposer tout, suspendre tout brigandage, suspendre tout acte agressif.
côté pour l'État, c'est pour l'État immédiatement et sans perdre du temps, suspendre, exercer aucun contrôle sur eux, présenter peut-être devant l'autorité de l'État, qui dans des caprices, qui c'est la justice. Et puis ensuite, toute notre conversation, c'est la séquence ça pour aller. Bon, donc, pas bien moyen en queue ou pas moyen en queue, nous sommes très, très, très clairs là-dessus. C'est que pour le moment, ça, pour faire, c'est situation là, de la première, elle n'a pas conduit, ni pas permettre, ni pas autoriser, ni pas aucun espace pour aucun dialogue, aucune discussion, aucune conversation. Parce que j'en dis là, d'abord, la première chose, c'est que l'État, c'est l'État. Mais une fois, on accord, on a harmonie avec l'État, la justice, donc certainement, conversation est possible. Ouais? Mais d'abord, la première chose pour faire, c'est ça. Ouais? Même au prisonnier que l'emprisonnement, nous devons avoir une conversation. Même au monde qui est condamné, nous devons avoir une conversation. Mais la première chose pour nous pour faire, c'est pour déposer les armes. Nous n'avons aucune conversation avec le monde qui a des armes pour nous pouvoir théoriser la population, pour nous pouvoir menacer le monde, pour nous pouvoir occuper l'espace, que le monde ne va pas retourner la caillou, pendant que nous ici à faire brigandage, pas aucune conversation possible. C'est ça que nous devons dire, et c'est ça que nous dit très clairement, et c'est ça que nous avons répété. Donc nous ne pouvons pas comprendre la confusion, mais nous devons avoir une occasion de clarifier. Très bien. Darius, c'est pour ministre très clair sous question, pas de négociation, remettre les armes et puis justice a fait travailler Davidson. Monsieur le Premier ministre, il y a tout un débat qui se fait dans l'opinion. Premier contingent qui est arrivé là. Et en pile, on a demandé qui leur opération a commencé, puisque derrière là, il y a un paquet des autres qui fait. J'en ai dit une première fois, opération pas de jambes suspendues. Et moi, c'est que faut nous connaître. Et bravo, détermination, engagement, la police nationale. Là. Parce que nous, les policiers qui ont tombé, nous, les policiers qui ont là, qui là, mettez en position, quatre fois opération. Opération pas de jambes suspendues en Haïti. Force multinationale, là, ça a dû nous faire. Il renforce ces polices-là, il vient accompagner nous pour nous être plus efficaces, en attendant qu'il a augmenté la capacité. Nous. Tu comprends? Parce que moi-même, moi, de ceux qui croient que, normalement, le chiffre de la police a bien pour nous augmenter de manière significative, nous bien pour nous équiper mieux, nous bien pour nous former mieux, nous bien pour nous distribuer mieux, en attendant qu'il a fait ça, en attendant qu'il a grandi la capacité, nous bien des pays qui viennent dans nos gouvernements pour capable quand même continuer à faire ça, mieux pour nous faire, pendant qu'il a renforcé la capacité. Voilà, et c'est docteur Goni, et on attend de là dans la radio. Nous ne pouvons pas diguer et nous ne pouvons quitter responsabilité. Sécurité, c'est avant tout une responsabilité haïtienne. Donc, ce n'est pas tant un étranger venu pour faire opération. Ça, faut plus clair. Nous faisons opération tous les jours et on va pouvoir tout. Nous supposons tout que rapidement après, la police, c'est la police nationale qui est intervenue pour réagir à brigandage pour se décrire. Maintenant, au fur et à mesure, on va prendre ça très vite. Nous avons l'autre contingent qui a venu, nous avons une planification qui a fait. Nous avons un task force qui connaît à rien dans l'armée, la police, évidemment, évidemment, et force multinationale qui a venu, pour nous bien assurer, nous, que nous avons préparé, nous avons avancé à notre rythme. Ouais, c'est, parce que quand même, nous voulons assurer nous du succès. Mais seulement, si nous avons un jour d'IA, il va vous le dire encore. L'État prend responsabilité. Si nous n'avons pas aucun autre gens l'a fini. Et c'est ça pour le monde qui vient nous amener. C'est ça que nous dit, faut que nous bouquions. Ça n'a fait la pas qu'à nous aucun autre côté. Résultat pas qu'à l'autre gens. Haïti pas qu'à perdre juste pour prendre le territoire. Jeudi à demain, après demain, nous n'avons pas retourner la caillou. Haïti a retrouvé la paix. Ça, avec Gary, sans Gary, il faut que nous comprenions ça. Nous ne pouvons jamais suspendre le mouvement, nous ne pouvons jamais suspendre l'avancée, nous ne pouvons jamais suspendre la bataille. Donc moi, je voulais dire que dans un temps de vie, on prend compte que n'a pas avancé caille par caille, j'aime des villes là, quartier par quartier, ville par ville, pour nous reprendre le territoire. Nous, avec les amis de la communauté internationale, et c'est une discussion qui nous fait, qui est déterminée pour nous venir de nous. Donc, je dis à nous bien 200, demain à bien 500, après demain à bien 800, après demain encore à bien, il y a venu des noms, tant qu'il se peut, pendant ce temps, on a renforcé la capacité de la police, on a baillé tous les moyens, nous avons tout le monde aujourd'hui à qui est armé, tout le monde aujourd'hui à qui a fait brigandage, tout le monde aujourd'hui à qui croit que sinon ça va nous vivre, que nous connaissons l'État pour aller prendre responsabilité. Il est encore temps pour nous suspendre ce brigandage-là, pour nous retrouver les chemins de la paix, pour nous suspendre
fin nous faire ça à faire, parce que de toutes les façons, si nous n'avons pas fini notre jeu, l'État aura la victoire, le peuple haïtien aura la victoire au final. Donc nous voulons que nous... Très bien, monsieur le Premier ministre, et il y a un pile de monde qui passe dans le pouvoir qui toujours laisse comprendre que vous avez contrôle du temps. Et le temps, gon dynamique, lui-même que lui-même lui dégager. Pour qui ça m'a dit ça, Michel Martelly n'est pas arrivé à faire élection, Jovenel Moïse, t'as un problème, il n'est pas arrivé à faire élection parce que c'est remplacé ou t'es remplacé. Michel Martelly pour t'es qu'à faire élection parce que l'élection t'est contestée. Ariel Henry t'as une mission pour faire élection, il n'est pas capable. Jodia, ou pas gué trop de temps devant, ou moins pas tant de discours sur élection parce que tant arrivé sous nous, est-ce que quand même il y a des discussions qu'a faites pour aller vers les élections parce que c'est ça, principale mission, monsieur le Premier ministre. Une très bonne question, Gary, et merci. C'est pour ça, d'ailleurs, pour une semaine, nous avons visité, pour nous commencer à comprendre les besoins. Et nous connaissons que le Conseil présidentiel travaille activement là pour avancer sur la question de formation CEPA. Parce qu'on a songé quand même que la responsabilité de formation CEPA, c'est là, mais oui, nous connaissons que nous faisons plusieurs sessions sur ça. Mais on a carrément posé aux questions plus en détail. Nous connaissons que nous-mêmes, il y a pas un travail activement pour que rapidement nous avons CEPA. Nous-mêmes, nous travaillons évidemment sur logistique, nos besoins financiers, accompagnement technique. Nous sommes déjà en contact avec nous, notre communauté internationale, là, pour nous mobiliser les ressources rapidement. Nous avons gardé pour nous aider pour comment nous allons avancer. Parce que de toutes les façons, le 7 février 2026, il faut que nous ayons élu. Trop longtemps sont élus, nos engagements, nous prenons un cadre à 4 avril, là, pour une élection, pour une réforme constitutionnelle, pour une grande consultation nationale autour de ça. Nous ne connaissons pas en pitié, mais nous voyons que nous-mêmes, tout ça qui est au niveau panneau pour l'avancer très très rapidement. Très bien. Il y a un problème dans le système. Non. Gary connaît clair sur ça. 7 février 2026, obligatoirement, il y a gagné un président qui est élu démocratiquement en tête et pays. Il y a un palais national. C'est ça que monsieur dit. Mais naturellement, il dit nous que. Ou est-ce qu'on lève cette traite-là, il a commencé à attaquer, monsieur. Il faut que nous prenions le temps, nous prenions ça pour nous analyser, attaquer bien, et qui est ce média qui a commencé le bouillot. Et puis, on va comprendre effectivement, côté bagaille la sortie, qui est-ce qui est derrière. Parce que, pas oublier, où est-ce que ça a dans le pays? Il n'y a pas voulu aller dans le bagaille qui est l'élection du tout. Parce que tout simplement, on connaît clair, il n'y a pas qu'à gagner l'élection pièce côté. Et puis, on décide pour que le pays a dans une transition indéfinie. Sans camper! Ok? La gueule sans camper continue de botter comme l'État, n'est pas riche. Voler, ça va gagner qu'à régler. Parce que Abdou, c'est à travers un pouvoir de transition, il y a des bagages comme si il y a des grands chantiers qui nous peuvent attaquer, nous peuvent gagner, pendant ce temps, ou gagner accès avec comme l'État, et nous peuvent aborder une série de gros projets dans le pays. Vous comprenez? Abdou, son gouvernement est capable de faire, pendant ce temps, ou gagner même accès avec l'argent l'État, même le gouvernement est élu, il y a pas le gagner. Aïe, 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 on avance. Oui. Alors, PM, pendant qu'on a parlé de l'élection, il y a eu de petits problèmes dans l'ONI, notamment avec la question 4 des malogues là. Effectivement, et nous courons, et c'est pour ça que la PAM CEPA installé pour nous garder avec elle comment nous pouvons faire pour construire sur sa gain, corriger sa gain. Donc, évidemment, première démarche, ça ne va pas parler pour CEPA, mais son évaluation état des lieux, pour ça nous vient déjà, ça nous manque comment nous pouvons fonctionner différemment. Donc, les trois bonnes là, pour moi, moins doublé, ça nous va faire, mais l'état là, c'est un bon temps de venir CEPA pour faire évaluation ça. Mais j'en sais tout à l'heure, moi, déjà recruté et mon processus de mobiliser toute qualité expertise pour évaluer instrument de les gens, qui s'accasse les gens, qui précaution qui a comme nation pour nous faire, pour nous capables de parler, pour nous faire élection d'ici novembre de l'année prochaine. Poser question, nous connaissons pas aller parce que nous connaissons ou grand pile temps ou pas grand pile temps. Des mon qui a posé question, il dit médecin courrier, comment faire jusqu'à présent ou pourquoi j'aime poser une action pour reprendre l'hôpital général parce que pays a souffert que comme médecin, c'est quand même paradoxal que pourquoi j'aime poser aucun acte pour permettre à Mounio gagner au moins et des médecins qui portaient au secours, monsieur le Premier ministre. Gary, en fait, nous posons plusieurs actes pour sécurité de tout le pays. Hein? Nous faisons changement dans la tête de la police là, avec nouveau chef de la police là, d'abord organiser la police en conséquence. Nous formons task force entre la police et l'armée. Nous mobilisons, nous aujourd'hui, nous avons un premier contingent
Kenya, nous mobilisons les communautés internationales, la passionnée, de l'appui, le support et l'accompagnement qu'il faut pour nous agir sur toute situation sécuritaire pays, selon dans l'hôpital. Mais il faut, en plus, m'oublier, me connaître que c'est parce que, bon, nous avons eu l'urgence, tout est urgent, mais il faut songer que nous avons eu une semaine et demie depuis nos cas signés en papier. Et que, soit, regarde, ils nous installé, nous avons gagné, c'est deux semaines, nous avons depuis nos fonctionnels. Et dans deux semaines, ça, regardez, pour tout ça nous fait, l'inventaire que nous fait, l'organisation que nous fait, la mobilisation que nous fait, les mises en place que nous sommes en train de faire. Et c'est ça qui permet de nous avancer de manière systématique, sans nous va jamais faire bac sur question sécuritaire. Donc, nous allons aller pour mon bagage, après ça va nous obliger à faire bac sur lui. Il faut aller de manière déterminée. Donc, il faut me faire inventer qui ça la police me gagne, qui ça la police me pas gagne, qui ça le manque, et ça le manque à fond de ma ligne, et ne pas caliser pour ma ligne du jour au lendemain. Il faut me garder pour moi qui est chanceux de gagner pour l'autre type d'accompagnement arrivé, et ça, ça prend du temps pour nous te faire. Donc, il faut mobiliser les ressources qu'il faut et les amis qu'il faut pour être capable sûr que les avancées n'avancent de manière irréversible. Cependant, seul ça me permet. Allez, dernière question, nous allons quitter aller. Il y a pile trop de rumeurs concernant problématiques qui gagnent en tout même avec CPTA. Mais moi, ouais, chaque temps après la parole, toujours parler de CPTA comme entité quoi collaborer avec. Qui sont capables ou capables de projeter comme image ou même à CPTA pour que tout le monde ait une harmonisation et que nous tous les deux entités parler dans la même direction, monsieur le Premier ministre? Moi, je crois que tout à fait normal. Ça fait même pas, et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons un groupe, même, qui vient de Scott, personnalité, qui vient d'expérience, qui vient de vision, qui ensemble est à chercher sa bonne ouvrière. Donc, c'est tout à fait normal et légitime que le CPTA, c'est avec le Premier ministre, nous avons des discussions constructives dans l'intérêt pays. Mais jusqu'à présent, nous avons quelques relations très positives, très constructives, dans un forum, côté nous avons échangé. Ça va pas dire nous entendre tout le temps, ça va pas dire nous entendre tout le temps, mais ça certainement veut dire que nous avons une bonne volonté, bonne foi pour le travail pour la population haïtienne. Et jusqu'à présent, moi, je suis très satisfait de collaboration. Je pense que le CPTA est essentiel pour cette transition. Il a fait travail là, il n'y a pas avancé sur un pile de dossiers pendant que moi-même m'a mobilisé la coopération internationale là. Donc, moi, j'ai dit que c'est normal que l'avance en milieu des jours, là, nous pas entendu sur toute bagaille, mais ça me remet, c'est qu'ils m'ont toujours arrivé, je vais nous compromis, dans l'intérêt, la population haïtienne, là, il m'espérait que c'est toujours, toujours comme ça. Même du dernier, bah, Gary, faut nous faire très attention pour éviter intoxication. Je dis à vous, manipulation des réseaux sociaux, qui voulait détruire le projet de transition. Hein. Donc, certainement, je sauter sur toute petite bagaille pour essayer de faire quoi que, bah, il y a plus grave. Mais moi, j'ai dit que ma conversation continue avec toute bonne CEP plusieurs fois par semaine. On a d'excellents rapports. Ma chute à l'invité, nous répondons moi-même besoin, appui comme besoin, tout le monde. Donc, pour le moment, je suis assez satisfait de collaboration. Voilà, justement, c'était le Premier ministre Dr. Gary Koné qui t'a répondu à une question, journaliste Gary, et sur toute bagaille qu'il a dit. En de nos pays. Alors, je dis que la situation qui est compliquée, bataille, nous devons continuer ensemble avec elle. Je dis non, pas de camper. Et pas de camper parce que responsabilité a été responsabilité. Mais ce qui est important, il faut que nous continuions à garder qui est, qui boude, qui fâche, qui estomaqué par rapport avec l'action que Gary Koné a posée. Qui est-ce qui est frustré? Qui est-ce qui fait couler cette tête-là sans paniquer? Qui est-ce qui n'a pas marché? Nous avons tourné sur ça, oui.